Y est pas tout le monde, bienvenue dans le monde formidable du blockchain et du bitcoin. Alors, aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à c'est quoi les mineurs et vous faire tout simplement une petite présentation parce que souvent, on me pose la question. Donc j'ai essayé de faire une présentation toute simple. Déjà, le mineur c'est quoi? Alors c'est une personne physique, voilà, comme vous et moi. Mais attention, ça peut aussi être maintenant, au jour d'aujourd'hui, une personne morale. C'est-à-dire qu'il a pu créer, voire même son entreprise, sa société. Donc voilà, soit c'est quelqu'un qui est complètement isolé et qui opère depuis chez lui derrière son PC. Donc il faut savoir que le mineur, en quelque sorte, c'est une personne qu'on se représente derrière un PC. Il peut être associé peut-être même à un geek d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est très habile avec le code et avec le langage informatique. Et c'est quelqu'un qui se débrouille très très bien avec son ordinateur. Il vit, il mange avec lui. Bon, en règle générale, le mineur, c'est quelqu'un qui n'a pas froid. Hein. Pourquoi il n'a pas froid? Parce que si vous avez de nombreux amis qui minent, vous avez pu constater que chez eux, il fait vraiment toujours, toujours chaud. Puis pourquoi? Ça, c'est dû justement au ventilo de leur ordinateur, parce que quand ça mine, ça tourne. Voilà, faut refroidir, ça consomme de l'énergie de miner. C'est la première chose qu'il faut retenir, à mon sens. Un deuxième point également, c'est que le mineur, avant, il était tout seul. Au jour d'aujourd'hui, quand vous allez voir par exemple le mineur, il y a pas souvent des collègues qui participent. Et oui, pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'en rassemblant la puissance de calcul de leur machine, ils seraient bien plus efficaces. Pourquoi? Pour répondre à une problématique d'augmentation du coût de l'énergie et de synergie en fait de la puissance de calcul de leur machine. Donc parfois en fait ils travaillent ensemble ces mineurs. On va voir qu'est-ce qu'ils font. Alors les mineurs ils font quoi? En fait les mineurs eux leur travail c'est utiliser leur PC et utiliser ce PC en fait pour essayer de réaliser et de résoudre des sortes d'épreuves autour des sciences cryptographiques. Voilà. Et en fait quand ils arrivent à trouver une énigme qu'on va dire informatique, cryptographique, mathématique, en fait ils valident une sorte d'épreuve. Et en fait quand ils valident cette épreuve, cette énigme, ils participent à donner et à renforcer la valeur autour de cette monnaie internet, donc le bitcoin. Voilà. Parce que les mineurs, ils font quoi? Ils transforment de l'électricité en une valeur d'échange. Et cette valeur d'échange, en fait, c'est le bitcoin. Et le blockchain, lui, c'est quoi? C'est la même chose. En fait, le bitcoin est issu du blockchain. Et le blockchain, c'est une sorte de transfert général de propriété qui va pouvoir permettre de stocker de la valeur. Et le bitcoin, en fait, c'est le moyen. À mon sens, c'est une valeur, un moyen d'échange, voilà, monétaire électronique qui est né du blockchain. Alors, on revient sur ces mineurs. Les mineurs, donc, ils vont participer à sécuriser le réseau, voilà. Pourquoi? Parce que plus il y a de la masse monétaire qui est émise, et plus il faudra fournir du travail pour élucider les nœuds des blocs, je dirais, pour valider les épreuves et les énigmes. Donc, leur travail, eux, ça consiste à valider une résolution de séquence informatique, voilà, pour lire, déchiffrer les adresses. Et eux, en fait, ils vont essayer de les faire concorder avec la probabilité de rencontrer, en fait, la séquence d'une clé qui est issue, en fait, d'un émetteur et d'un receveur. C'est-à-dire que vous voulez envoyer un message, vous êtes l'émetteur, vous allez l'envoyer à quelqu'un. Donc, vous avez deux besoins. Vous, envoyer et l'autre, recevoir. Le mineur, il va élucider l'énigme envoyer, recevoir. Et une fois qu'il aura fait concorder vos clés privées, voilà, et B, il va permettre de mettre en place et de valider l'échange du message entre vous deux. Voilà, il cherche l'élu improbable, il cherche à faire rencontrer un receveur et un émetteur. Donc voilà, donc en fait, lui, il est à la recherche, je dirais, d'un match improbable, ce mineur. Voilà, il déchiffre vos clés respectives, il les fait concorder et il les valide. Donc, souvent, on dit que c'est une technologie qui est sécurisée et surtout anonyme. Moi, je dirais qu'attention, cette technologie n'est pas forcément anonyme, puisque dans le cadre d'un transfert de propriété entre émetteur et receveur, vous avez quand même une séquence de clés qui permet d'identifier en fait la transaction, qui apparaîtra dans un grand livre de comptes. Ce livre de comptes, c'est Internet, c'est un grand livre ouvert, c'est le blockchain. Voilà. Donc le blockchain, on comprend quoi? Qu'il a une particularité, c'est bien une techno également de stockage, puisqu'il fait apparaître l'identification de la transaction au moyen de vos clés publiques, tout simplement. Donc on ne sait pas qui est derrière les clés publiques effectivement, mais on sait quelle quantité a été émise et à quel moment. Voilà. Et de où vers où, même si on ne sait pas qui est derrière ces clés publiques.
Donc ça, moi, je dirais que c'est sa particularité forte semi-anonyme. Mais il a également une autre particularité, c'est que le blockchain, en fait, pour moi, c'est un système d'intelligence artificielle profond. Alors ça, c'est peut-être un peu subjectif. Pourquoi? Bah parce que le blockchain, il a une particularité qui est énorme, à mon sens. Il repose sur une technologie d'amélioration continue. Il s'améliore de jour en jour, de temps en temps, et il se renforce. Et ça, à mon sens, comme je vous l'ai dit, c'est basé, en fait, ça repose sur un peu de l'intelligence artificielle, notamment à travers l'intégration de sciences telles que les algorithmes, la crypto et les mathématiques. Et tout ça, c'est prédéfini dans des lignes de code. Voilà. Donc en fait, le blockchain, c'est une séquence de code qui a été mise en place, créée il y a plus de 9 ans. Et en fait, le créateur de ce blockchain, il avait pensé à pas mal de choses. Il a pensé mettre en place un pool défini au départ, 21 millions. Ces 21 millions, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas encore émis. Ils sont émis au goutte à goutte et à la demande. Et plus la demande est en place, et plus la valeur autour de cette monnaie se renforce. Et plus la sécurité se renforce. Parce que plus il est difficile d'élucider ces blocs. Voilà. Il y en a de plus en plus. Alors, je dirais qu'en fait, elle est très intelligente, cette technologie. Pourquoi? Parce qu'elle s'auto-sécurise, elle s'auto-renforce. Allez, je vais vous abandonner, je vous libère. Je dirais que c'est assez pour la présentation des mineurs. Je dois y aller. Je vous dis excellente journée à vous, y est pas, à bientôt, prenez soin de vous et surtout attention, gérez toujours votre risque, prenez soin de vous surtout. Voilà, je vous dis à bientôt, y est pas, y est pas, y est pas.